application web principale. Il a un timestamp, un numéro de DC, DC c'est data center, et puis voilà, il a toute une flopée de données spécifiques à ce type d'événement. Donc là on voit que c'est un utilisateur normal qui a fait un get sur telle requête, le contenu avait un body de telle taille, ça a mis 111 millisecondes, enfin bref. Ça c'est un exemple d'événement. Un autre exemple d'événement différent qui vient de cluster de disponibilité par exemple. On voit qu'il a également un timestamp, un DC, un numéro de data center, un type et un sous-type. Par contre, la donnée ici est complètement différente. D'ailleurs, là, c'est un événement qui est tout petit. Et ici, on peut voir qu'on a juste le numéro du cluster, le nombre de queries et de latence. Et une petite question de David, mais il va falloir faire très petit. J'ai dit quoi ? Mais j'ai expliqué tout à l'heure. C'est donc ce qui permet à un temps donné de savoir combien d'hôtels, combien il y a de chambres disponibles, à quel prix dans un hôtel. Mais si c'est pas clair, ouais, c'est un ensemble de machines qui permettent de répondre à des requêtes pour savoir combien il y a de chambres disponibles à tel prix, etc. Bon, c'est pas crucial pour le développement de la suite. Donc on a notre flux d'événements, on a beaucoup d'événements, on a 15 000 événements par seconde, donc ça fait 1,25 milliard d'événements par jour. Ça ce sont des estimations assez faibles, donc on a souvent beaucoup plus que ça. Par contre ce sont des données qui sont en lecture seule, qui n'ont pas de schéma, mais elles sont en lecture seule, c'est intéressant. Et on a 70 MB par seconde tout le temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc ça fait 100 gigas par heure. Alors ça, c'est des chiffres qui sont un petit peu vieux, puisqu'ils ont quelques semaines, donc on est à plus maintenant. Voilà. Le but de ce talk, c'est de réfléchir à comment on va stocker ça et comment est-ce qu'on va essayer d'exploiter ces données-là. Avant de réfléchir à comment stocker des données dans une base ou dans quoi que ce soit, il faut se pencher sur leur utilisation. C'est trivial comme à dire, mais il y a beaucoup de gens qui y pensent après, et du coup ils ont choisi une mauvaise base de données. Donc on va définir les besoins, pourquoi est-ce qu'on utilise ces événements, qu'est-ce qu'on en fait à Booking. Quatre choses principales, d'abord des graphes, des prises de décision, des analyses court terme et du A/B testing, qui est un peu dérivé. Des graphes, on utilise les événements qui arrivent tout le temps dans ce point de stockage pour générer des graphiques en temps réel, le plus temps réel qu'on peut, parce qu'à Booking on aime bien voir ce qui se passe, on adore les graphiques, donc on fait des graphiques sur tout. On veut des graphes pour tous les systèmes possibles et imaginables, ce qui nous permet d'avoir un état de santé général de la plateforme et au plus près du temps réel pour voir très vite, donc ce sont des humains qui regardent, voir très vite s'il y a des soucis, si la nouvelle fonctionnalité fonctionne bien, etc. Voilà un exemple de graphe très simple. On a le nombre d'événements qui provient de l'appli web. Et ici, on a le nombre d'événements avec des erreurs ou des warnings. Alors, c'est des erreurs non fatales, c'est des choses internes. Voilà, ça, c'est un type de graphe. Ici, on a un graphique qui nous dit le top 10 des users dont on a décrété la normalité, on va dire. Donc ici, on a des users. Là, on a une ligne. Ici, en saumon, on a la ligne du nombre d'utilisateurs qui passent leur temps à visiter le site web, mais qui ne réservent jamais de chambre. Donc typiquement, ce sont des concurrents qui veulent voir quels hôtels on a, à quel prix, etc. Donc voilà, il y a d'autres types d'utilisateurs. C'est des exemples de graphes, mais on a énormément de graphiques qui sont générés. On les regroupe en dashboard par équipe, on a des dashboards de dashboard, on a des millions de graphiques. Tous ces graphes, il faut les générer. Alors on n'a pas tout refait à la main, on a utilisé un système de génération de graphes qui s'appelle Graphite. Peut-être que certains d'entre vous connaissent, c'est en gros un peu le leader, enfin le plus connu en gros des systèmes qui existent, qui est là depuis pas mal de temps. Donc chaque seconde, on va envoyer des données transformées à Graphite. Et donc je crois qu'on a le premier ou le deuxième plus gros cluster de Graphite au monde, tellement on aime bien faire des graphiques. Et petite anecdote, le système No Cluster Graphite,
ce sont des systèmes qui sont sur la plateforme Booking. Donc ce sont des sous-systèmes de Booking. Comme tout autre système Booking, ils envoient des événements. Pour, voilà, pour qu'on sache, est-ce que la création de graphes se passe bien ou pas. Donc on a des événements sur la création de graphes sur les événements. Et avec ces événements-là, on peut faire des graphiques, donc ce qu'on appelle des métagraphes. Donc ça, c'est par exemple, on ne voit pas bien sur cet écran, mais c'est la vitesse avec laquelle les machines qui génèrent les graphiques le font correctement. Voilà, donc on a des métagraphes. Alors, au bout d'un moment, ça devient assez compliqué de s'y retrouver, mais on s'en sert. Deuxième utilisation de nos événements, prise de décision. Donc, c'est assez simple, mais à Booking, on a une philosophie qui est use facts. Donc, on va prendre des décisions, non pas parce que le patron a dit qu'on allait faire ça, ou parce que quelqu'un a trouvé que c'était joli, mais parce que les faits nous montrent qu'on en a besoin ou qu'on a un manque à gagner, etc. Donc, pour ça, on utilise les événements, donc ceux dont je vous ai parlé. Analyse court terme, donc on fait de l'analyse le plus temps réel, on va dire. On utilise ça, donc on va utiliser les événements qui sont qui arrivent en permanence sur le point de stockage pour vérifier que tout se passe bien, de manière générale, notamment quand on fait des déploiements en production. Donc on fait à peu près une centaine de mises en production par jour. Donc on a un moyen très rapide de mettre en prod et de faire un rollback. Donc on ne met pas 100 fois à jour le site web, mais on a parmi tous nos systèmes qui sont en prod, qu'on met à jour, ça fait à peu près une centaine de mises en prod par jour. Et du coup, on a un moyen très rapide de mettre en prod et de faire un rollback si quelque chose ne va pas, mais il faut un moyen de voir que les choses cassent, par exemple. Et pour ça, on utilise le flux d'événements. On a aussi un détecteur d'anomalies qui est très important, qui tourne en permanence sur une plage de quelques minutes et qui va lancer des algorithmes sur les données qui nous parviennent avec nos événements pour détecter des anomalies de type matériel ou logiciel, mais aussi de type plus pernicieux, typiquement... assez régulièrement par an, on a des attaques de hackers, de crackers qui veulent faire tomber le site web. Donc des attaques en DDoS, par exemple, en denial of service. Et donc on a un détecteur d'anomalies qui va détecter ces genres de pratiques qui sont reflétées en fait dans le flux d'événements. Et donc le détecteur d'anomalies va utiliser tous nos événements pour faire ça. Et c'est un point critique de la plateforme. C'est-à-dire qu'il faut être à même d'analyser ce qui se passe dans les situations où, si on est sous une attaque de pirates par exemple, où le site va être stressé au maximum. Donc il faut que ça fonctionne. Bon, je vais aller très vite là-dessus. Un des dérivés du fait d'utiliser les faits pour prendre des décisions, c'est de faire du A/B testing. Donc en gros, on déploie une fonctionnalité sur un morceau de nos serveurs en prod et on voit si ça fonctionne mieux que sur le groupe de test des autres serveurs qui n'ont pas reçu cette nouvelle fonctionnalité. Si ça marche mieux, on garde la fonctionnalité. Si ça ne marche pas bien, eh bien, on n'utilise pas la fonctionnalité. Et pour vérifier qu'une fonctionnalité apporte de la valeur ajoutée, eh bien, on va encore une fois utiliser le flux d'événements qui nous renvoie énormément de détails, notamment statistiques, sur le nombre de gens qui ont regardé telle ou telle page, le nombre de réservations, etc. Alors, maintenant qu'on sait, on a vu notre structure de données de nos événements et on sait ce qu'on va en faire, on va les agréger avant de les envoyer vers un système de stockage. Donc on va regrouper les événements, une granularité à la seconde près. Donc on va pas perdre des événements, mais on le regroupe par blob d'une seconde. Alors, il y a très longtemps, on avait essayé d'utiliser JSON, mais pour sérialiser de manière... plus performantes nos événements. Booking a développé en 2012 Cereal, qui est un nouveau système, nouveau format de sérialisation. C'est de la sérialisation binaire, mais très performante et orientée données non structurées. Il y a déjà des formats de sérialisation qui existent, comme Protocol Buffer, Thrift et d'autres formats de sérialisation qui sont très performants, mais qui nécessitent de savoir quelle est la structure des données que vous voulez sérialiser. Cereal permet de sérialiser à peu près n'importe quoi. C'est open source sur GitHub. Voilà, donc l'agrégation, c'est en gros mettre un entonnoir pour stocker les événements dans la base de données. Comment est-ce qu'on fait ça? On a des machines qu'on appelle des loggers.
une machine logger va recevoir en TCP, enfin en UDP et bientôt en TCP, des événements. Donc là, on a un groupe d'événements. La couleur, c'est un type d'événement. D'accord. Donc là, on a trois types d'événements qui arrivent sur le logger en permanence. Donc le logger, c'est en gros un serveur en Perl qui écoute sur des sockets. Donc c'est très très simple. Et il va ranger, il va stocker en mémoire et puis en disque les événements dans l'ordre dans lequel ils arrivent par type. Voilà, donc là on remplit des espèces de silos, de colonnes, et toutes les secondes on va prendre une tranche de ces événements et on va par type prendre tous les événements d'un même type de la même seconde et on va les resérialiser, recompresser pour gagner en place en compression. Et on va à ce moment-là les envoyer vers le stockage. Bien sûr, on n'a pas une seule machine de logger, on a beaucoup de machines dans tous nos data centers et avec de la redondance. Donc les événements ne sont pas envoyés une seule fois à un logger, mais actuellement trois fois à des loggers différents. Comme ça, s'il y en a un qui tombe, on peut récupérer les événements. Maintenant qu'on a agrégé nos données sur les loggers, là, on a des blocs binaires, on va pouvoir les envoyer vers le stockage. Intéressons-nous au type de stockage dont on a besoin. On a besoin d'une sécurité de stockage, parce qu'on veut que nos événements soient stockés de manière pérenne, et que si il y a un problème hardware ou software, le système puisse fonctionner même en mode dégradé ou voilà, que ça fonctionne tout seul en gros, même si après il faut faire de la maintenance plus tard, mais que le système ne casse pas comme ça tout d'un coup. Il faut qu'on ait de la performance en écriture puisqu'on a 70 mecs qui arrivent chaque seconde, et en lecture parce qu'on va avoir énormément de clients qui vont lire ces données en temps réel. En plus de ça, il faut une administration facile, parce que l'équipe qui s'occupe de ce système, actuellement on est 4, et donc je suis à peu près le seul, on va dire 1,5 à 2 à s'occuper de ce système de stockage. Donc voilà, on n'est pas une armée de 50 développeurs à s'occuper de ça. Et il faut que ce soit très scalable, parce qu'à Booking, en gros, tous les ans ou tous les deux ans, il y a tout qui double. Donc on double le nombre d'utilisateurs, de requêtes, voilà. Et le flux d'événements, cette année d'ailleurs, le flux d'événements augmente énormément. Donc il faut quelque chose qui puisse grossir. On a choisi React. React, c'est une base de données distribuée, donc c'est un cluster de machines, parce qu'elle offre une sécurité optimale. Donc on a fait plusieurs comparaisons, et pour moi, React, c'est une implémentation de Ring, c'est-à-dire un cluster de machines qui se parlent entre elles avec du gossip. Donc on représente ça sous forme de cercle généralement. C'est la meilleure, l'implémentation du Ring qui est pour moi la plus robuste, qui va permettre de gérer des cas où une machine disparaît et réapparaît, une machine crash, plusieurs machines crash, ou alors on a une partition réseau où votre cluster de machines va être divisé en deux parties. Comment est-ce qu'on gère tout ça? React est la plus robuste, tout en offrant de très bonnes performances et des performances qui sont prévisibles. Et ça, c'est très intéressant, puisqu'on sait que si une installation de React est soumise à deux fois plus de load, ça va avoir tel impact sur les performances. Et on peut prédire un petit peu à l'avance, en gros, savoir qu'est-ce qu'on peut espérer de React en mode dégradé, on va dire. Et en plus, c'est très facile à administrer. Donc ces propriétés nous ont fait décider d'utiliser React. En plus de ça, il y a des fonctionnalités avancées comme MapReduce, que vous connaissez un petit peu. Une petite question de David. Ouais, alors la question c'est le Ring, ça marche comment? Il y a une slide après qui va détailler un peu, mais c'est pas super technique, donc si tu as d'autres questions tu pourras redemander aussi. Donc du MapReduce, donc un petit peu comme ce qu'il y a sur Hadoop et HDFS, sauf que là le MapReduce c'est temps réel, donc il est très 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 très, très rapide. React Search, réplication multi-data center, je ne vais pas rentrer dans les détails. Voilà le logo de React, fantastique. Donc React, le cluster, comme je vous ai dit, ça c'est un ring en gros, donc chaque rond c'est une machine. On utilise du hardware courant, donc des serveurs un peu musclés, mais rien qui coûte des millions. Et les machines sont connectées entre elles.
Vous pouvez interroger chaque nœud, donc envoyer des données et lire des données depuis chaque nœud. Il n'y a pas de master, donc chaque nœud est identique et doit être considéré comme identique. Il n'y a pas de nœud maître et c'est un système distribué. Donc quand vous voulez écrire une donnée dans React, ça c'est le client, vous envoyez vos données dans React en prenant un nœud au hasard. Et React, principalement, c'est une base de données clé-valeur. Donc vous avez une valeur à stocker, vous lui donnez un nom, la clé, et vous lui donnez une valeur. Et dans le mode que j'ai utilisé, React se fiche complètement de ce qu'il y a dans la valeur. Pour lui, c'est du binaire, il va la stocker. Mais il y a d'autres modes où il va interpréter ce que vous dites. Donc, vous envoyez vos données sur une machine prise au hasard du cluster de React. React va appliquer une fonction de hashing sur la clé, uniquement sur la clé, donc sur le nom. Et il va en déduire, par un principe de consistent hashing, comme disait David, les trois nœuds primaires, c'est-à-dire les trois nœuds qui vont stocker cette donnée spécifique. Bien sûr, à chaque fois que vous changez de données, donc de clé, la fonction de hash va être différente, et donc ça va être d'autres nœuds qui vont être responsables du stockage primaire de vos données. Donc on représente ça aussi sous cette forme-là, où ici nous avons quatre nœuds, 1, 2, 3, 4, qu'on représente sur un ensemble de 0 à 2 puissance 160, donc un intervalle de bigint, d'entier. Et React va assigner des intervalles à chaque machine, comme ça, l'une après l'autre, donc vert, orange, bleu, rouge, donc ça c'est le nœud 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, etc. Et quand vous stockez une valeur ici, avec une clé artiste, par exemple, React va appliquer une fonction de hashing sur le nom de votre clé, et le résultat, ça va être un entier, qui est compris entre 0 et 2 puissance 160, et il va regarder qui est le nœud qui s'occupe de l'intervalle qui est le résultat de votre fonction de hash. Et du coup, il va dire, bon, bah, c'est ce nœud-là, donc je vais envoyer ma valeur sur le nœud en question et puis les deux autres nœuds qui suivent. Ça, c'est si on a un nombre de réplications de 3. C'est le défaut, c'est aussi ce qu'on a utilisé. Là, on React, du coup, va stocker les données sur le nœud en question et puis les deux autres nœuds derrière. Donc ça va faire que les données sont stockées 3 fois. Comme ça, on peut perdre jusqu'à N-1, donc 2 nœuds dans le cluster, sans qu'il y ait aucun problème. Donc, vous avez deux machines qui peuvent disparaître sur votre cluster et React continuera à fonctionner complètement. Alors, stocker une valeur dans React, ça se fait en stockant, en ayant une... Donc on a la valeur, on va la stocker dans une clé et une clé doit être unique par espace de nom et les espaces de nom sont appelés buckets. Dans React. Donc en gros, si vous avez par exemple une clé qui s'appelle Philippe, eh bien cette clé est unique dans l'espace de nom. Donc dans React, pour stocker une valeur, on va dire je vais stocker cette valeur dans la clé Philippe, mais dans l'espace de nom utilisateur par exemple. Et il ne pourra pas y avoir deux Philippe dans l'espace de nom utilisateur, donc il faudra utiliser un autre espace de nom pour stocker une clé qui a le même nom. Je vais passer. Alors, React est très très flexible. Il vous permet de choisir le back-end de stockage que vous voulez utiliser. On peut utiliser un back-end, donc un moyen de véritablement stocker les données en mémoire uniquement. Donc vos 5, 10, 15 machines qui sont en cluster vont stocker les valeurs en mémoire et jamais sur disque dur. C'est rapide, mais c'est pas pratique si votre nœud tombe et revient. Il va falloir qu'il se resynchronise à chaque fois. React propose Bitcask et LevelDB comme back-end de stockage sur disque dur. LevelDB est assez connu, ça a été créé par Google. Je ne vais pas en parler beaucoup. Nous, on a utilisé Bitcask. Alors, Bitcask, c'est quoi? C'est un back-end, donc un moyen de stocker les données qui est très simple. Les clés sont toujours présentes en mémoire, en RAM. Donc, il faut avoir assez de mémoire répartie sur les serveurs pour contenir l'ensemble de toutes vos clés que vous écrivez. Et les données sont écrites sur disque dur en open-only, donc elles sont concaténées à la fin de fichiers qui sont tout le temps ouverts. Ça veut dire que si vous stockez des nouvelles données, ça va être ajouté à la fin d'un fichier. Si vous voulez modifier une donnée, le back-end ne va pas revenir pour essayer de trouver où était la donnée dans le fichier et la remplacer. Il va ajouter la nouvelle valeur à la fin du fichier.
et la clé qui est en mémoire va pointer sur la nouvelle valeur. Et l'ancienne valeur, elle n'existe plus, elle est deprecated, et au bout d'un moment, React va compacter le fichier pour éliminer les anciennes valeurs. Si vous faites des modifications, c'est comme ça que ça se passe. Si vous effacez des fichiers, c'est pareil. React ne va pas tout de suite effacer le fichier, il va ajouter à la fin un marqueur en disant « au fait, cette clé a disparu ». Et il se passe alors de la compaction de fichiers, qui est très flexible dans React. On peut configurer à quel moment React va décider de compacter les fichiers pour justement nettoyer toutes ces données qui ne sont plus valables, et en même temps faire de l'expiration de données. Donc on a de l'expiration automatique de données qui est très très fine à la seconde près. Ça nous donne des performances qui sont très bonnes, puisque quand vous voulez faire un put, quand vous voulez écrire, vous rajoutez une clé en mémoire et vous appendez à la fin d'un fichier qui est déjà ouvert. Donc le file system, il optimise à mort. Quand vous voulez faire un get, lire une donnée, vous faites une résolution de hash pour trouver la clé en RAM. La clé va dire que la donnée est sur tel fichier à tel endroit, et du coup, on va lire dans le fichier avec au maximum un seek, un déplacement de tête de lecture pour aller trouver la donnée. Et React utilise le cache file system qui fait qu'en fait, il n'y a pas juste la valeur qui est retournée, mais aussi les valeurs autour. Et du coup, la plupart des données qui sont accédées régulièrement, qui sont chaudes, sont déjà en mémoire du file system. Donc c'est parfait pour des données séquentielles où on ajoute toujours à la fin, ce qui est le cas des événements à booking. Configuration du cluster. On a besoin, en gros, de stocker à peu près 8 jours d'événements, sachant qu'on a à peu près 100 gigas de nouveaux événements sérialisés, compressés à mort par heure. Ça nous donne un besoin de 60 Tera. Donc on a commencé avec un cluster, puis après on a mis deux clusters, un dans chaque data center. On a commencé à 6 machines, puis 12, puis là on en a 27 machines par cluster. Ça tourne très bien. Chaque machine a 12 CPU. Et 192 gigas de RAM, alors c'est beaucoup trop, React consomme 1 giga je crois, mais quand on m'a proposé les serveurs avec autant de mémoire, j'ai pas dit non, j'ai dit oui, et je trouverais bien un moyen de l'utiliser. Et on est sur un réseau 1 gigabit qui est un peu problématique, parce que un cluster va stocker 3 fois plus de données à l'intérieur qu'à l'extérieur, puisqu'il y a une réplication de 3, donc si vous saturez le réseau extérieur en envoyant énormément de données, le réseau intérieur il a besoin de 3 fois plus de bande passante pour stocker les données que ce qu'il y a à l'extérieur. Donc l'idéal, c'est d'avoir un réseau asymétrique avec 1 gigabit à l'extérieur du cluster par exemple, comme ça vous limitez les données qui peuvent atterrir sur votre cluster, et 10 gigabits à l'intérieur, comme ça vous êtes sûr qu'à l'intérieur vous pouvez transférer les données à répliquer 3 fois au maximum. 8 terabytes de disque, bon voilà, et du coup ça nous donne 128 terabytes au total. Une petite question de Philippe. Le dessin qu'on a vu au début, où c'était effectivement en anneaux, oui. C'est-à-dire que les machines sont connectées chacune à leurs deux voisins, ou c'était juste une vue de l'esprit ? C'est une vue de l'esprit. Est sur un LAN. Et voilà. Tout est sur un LAN et c'est des communications. En fait, c'est du gossiping. Les machines maintiennent un état global qu'elles essaient d'être unique pour savoir quelle machine s'occupe de quelles données et quelles sont les données accessibles. Et du coup, quand on va faire une requête sur un nœud, ce nœud va consulter l'état global du ring pour savoir où est la donnée à récupérer ou où est la donnée à écrire. Maintenir un état unique sur un nœud de machine, c'est extrêmement compliqué. Il y a extrêmement de théories et de papiers là-dessus. C'est pour ça que faire une implémentation de ring, c'est très compliqué, et pour moi React est l'une des seules implémentations qui fasse ça correctement. Donc chaque machine communique pas juste avec ses voisins, bien sûr c'est plutôt en étoile, mais il y a des grosses problématiques. Par exemple, plus tu augmentes le nombre de nœuds, plus tu augmentes de manière exponentielle, enfin c'est pas linéaire, le gossiping. Donc du coup il y a des algos très poussés pour réduire la quantité de données qui traversent, donc réduire la quantité de gossiping. Et puis après il y a toutes les problématiques de si jamais une partition réseau, un switch qui meurt et que mon cluster est divisé en deux, j'ai plus un statut mais j'ai deux statuts, deux états globaux finalement, et il faut que chaque moitié de cluster continue à fonctionner et donc à stocker les données, et quand le cluster est réuni, une fois que la panne est réparée, il faut qu'il y ait un moyen de converger. Ça, c'est très compliqué, et c'est pour ça qu'il y a des produits et des sociétés entières qui bossent dessus depuis 10 ou 15 ans afin de proposer ce genre de système-là. Et c'est open source.
Une question de Kai. Le gossiping, c'est une nouvelle machine à stocker une donnée. Du coup, il faut que je transmette aux autres que c'est moi qui m'occupe de cette machine, que d'ailleurs je suis vivant, et je vous redirai dans 2 secondes si je suis toujours vivant. Et voilà, ce genre de truc. J'ai récupéré des données d'un nœud qui était mort. Du coup, c'est moi qui ai répondu à sa place. Maintenant, il est vivant, je vais lui redonner. Est-ce que vous êtes d'accord? Tout ça. On a une partition, on a une donnée à stocker, mais le nœud est introuvable. Il y en a deux qui disent qu'ils ont la donnée, mais lui, il n'est pas d'accord. On fait un quorum, donc on se met autour d'une table, on discute, et puis c'est lui qui est élu, etc. C'est compliqué. Oui, David ? Oui, tout à fait, oui. La question, est-ce que ça se différencie de Zookeeper ? Oui. Tout à fait. Alors, data design, donc, si vous vous souvenez, on regroupe nos données. On les a regroupées par époque, c'est timestamp, en fait, c'est le numéro de la seconde. En fait, on va regrouper donc nos événements par seconde, par data center, par type, par sous-type. Cellule, c'est un niveau de subdivision supplémentaire, mais qui est juste un problème d'implémentation. Et ça nous donne un blob binaire d'événements compressés. Si c'est plus petit que 500 kg, on l'envoie. Si c'est plus gros que 500 kg, on le recoupe encore. Parce que les systèmes de clustering fonctionnent très bien avec des données qui ne sont pas trop grosses. Donc il vaut mieux envoyer 3 valeurs, chacune des valeurs étant inférieure à 500 kg, par exemple, plutôt qu'une valeur de 1,5 MHz. Alors, pour stocker les données dans React, il faut choisir une clé, une valeur et un namespace, un bucket, du coup. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, les données, j'ai stocké dans un bucket que j'ai appelé data, par manque d'inspiration totale. Et la clé, donc le nom de la valeur, ben, j'ai pris la concaténation des propriétés de cette valeur. Donc là, on a tous les événements qui sont arrivés à cette seconde-là, du data center numéro 1, de la cellule 0, pour le type web, le sous-type app, et en fait, ça c'est le chunk 0, donc c'est les premiers 500 kilos de ces événements. Et la valeur, bah, c'est le blob. Ça nous donne un truc qui fonctionne assez bien, puisqu'on a 200, bon maintenant on a un peu plus, mais quelques centaines de clés par seconde, donc c'est un trafic, un nombre de clés vraiment assez bas, et on va stocker les données comme ça. Le seul problème, c'est que React, si vous voulez récupérer efficacement votre donnée, il vous faut connaître le nom exact de la clé. Et ça, c'est pas pratique comme nom de clé. Ce qui est plus pratique, c'est dire « Ah, bah, je sais que je veux les données qui viennent du data center numéro 1 pour telle seconde. » Mais je connais pas les propriétés qui, en plus, peuvent changer. Donc, comment est-ce qu'on fait? On va créer des métadonnées. Donc, en plus d'envoyer nos données, et ça, c'est une pratique qui est très très utilisé. En plus d'envoyer nos données dans le namespace, dans le bucket data, on va aussi envoyer des métadonnées dans un bucket metadata. La clé de ces métadonnées, ça va être juste le timestamp et le numéro de data center. Et la valeur, ça va pas du tout être les événements, ça va être le nom des clés data qu'on va retrouver dans le namespace data. D'accord ? Donc quand on va écrire les données puis les métadonnées, et quand on va lire, comme on ne connaît pas toutes les propriétés de nos événements, on va d'abord lire les métadonnées de cette seconde, de ce timestamp, de ce décès, qui nous donne la liste de toutes nos clés data, et pour chaque clé, on va les récupérer dans le namespace data. Et au passage, comme les propriétés sont dans les clés, on peut filtrer les données dont on n'a pas besoin. Si on ne veut pas le type web, par exemple, ou si on ne veut pas le type EMK, eh ben, on ne va pas récupérer cette clé. En fait, c'est une illustration parfaite du principe qu'il n'y a pas de problème en informatique qu'on ne peut pas résoudre avec un niveau d'indirection supplémentaire. Tout à fait. Écrire les données, alors on va faire ça, donc en Perl, bon, ça c'est du code, c'est du pseudo-code. On écrit les données, voilà, donc on fait un put dans le bucket data, la clé c'est ça, la valeur c'est ça. Et puis après, on fait la même chose dans metadata. Donc, et ce qui est bien, c'est que du coup, ici on écrit les valeurs, on attend que React nous ait dit c'est bon, les valeurs sont stockées, et après on écrit les métadonnées. Du coup, on sait que si cette clé-là existe dans le bucket metadata, on est sûr que toutes nos données ont été stockées. Ça donne un niveau d'atomicité qui est appréciable.
En vrai, donc on n'utilise pas ce bout de code-là. En vrai, j'ai réécrit deux clients React en Perl. Un qui est React Client et un autre qui est AnyEvent React. Celui-ci est orienté événementiel. Et du coup, il permet de maximiser les I.O. Donc, même si on est sur un seul core, un seul process. Pour lire les données, on fait l'inverse. Donc, pour lire une seconde, donc si on veut lire une seconde exacte pour un data center, donc comme j'ai dit, on lit la métadonnée, on parse la valeur, on filtre ce qu'on veut pas dans la liste des clés data, et on va récupérer les données du namespace data. Donc voilà, bon, on crée un nouveau client React, on fait un get sur le bucket metadata, la clé c'est le timestamp et le numéro du data center ici, ça nous renvoie du texte, puisque c'est tout petit, j'ai laissé en texte séparé par un pipe, donc c'est des clés data séparées par un pipe, je split sur pipe, du coup j'ai un tableau de mes clés data. Ce tableau, je greffe dessus parce que finalement, je veux que le type web et pas le type EMK. Ça me donne un tableau filtré ici, sur lequel je boucle et j'utilise notre client React et je fais un get, ce coup-ci sur le namespace data et la valeur étant la clé susmentionnée. Maintenant, lire une seconde, c'est bien pratique, mais qu'est-ce que je fais si je veux lire les 10 dernières minutes ou les 2 dernières heures, par exemple? Eh bien, c'est tout simple. Comme on parle de temps, il suffit de découper notre intervalle en secondes. Donc, si je veux récupérer une heure, eh bien, je génère les 3600 timestamps de cette heure et je fais exactement ce que j'ai dit précédemment. Je récupère seconde par seconde. Et React est complètement OK avec ça, c'est optimisé pour subir des nombres de lectures et nombres d'écritures faramineux à la seconde. Donc c'est vraiment la manière dont il faut utiliser React et pas essayer de faire un query global ou un MapReduce, un truc. Non, il faut énormément de requêtes. Et si possible, récupérer en parallèle. Du coup, qu'est-ce que ça donne? Ça c'est un graphe, du coup oui, parce que forcément comme on graphe tout, j'ai des graphes du cluster. Au niveau CPU, ça ne consomme pas grand-chose. Sur 12 corps, on n'est même pas à 2 corps qui est utilisé. Vous voyez que là, chaque ligne, c'est un des nœuds du cluster. Là, il y avait un nœud qui était en train de converger, en fait, il est en train de rejoindre le cluster, du coup, il utilisait plus de CPU. En opération par seconde, on était à des pics de 200. Donc ça, ce sont les expirations, quand il va compacter les fichiers pour enlever les vieilles données. Donc c'est tout petit, hein, 200 opérations par seconde. Si on prend en pourcentage de ce que la machine est capable de faire, là il y a un graphe, mais il est tout petit, là il est sur la ligne 0. Donc en gros, les clusters vont très bien, ils passent leur temps à rien faire en fait. Donc c'est exactement ce qu'on veut. Et quand on regarde l'espace disque libre, donc ça c'est pas l'espace disque utilisé, c'est l'espace disque libre, on voit que chaque nœud ici stocke des informations, donc récupère tous les événements, et puis après, les expire les données assez brutalement parce que j'ai configuré l'expiration pour qu'elle n'arrive qu'une seule fois par jour quand les fichiers atteignent 4 gigas parce que j'ai de la place disque. Et je préfère que, en fait, expirer un fichier qui ne contient que des clés qui sont trop vieilles, c'est fait instantanément en fait. Il n'a pas besoin de regarder le contenu. Et donc du coup, on a des perfs qui sont très bonnes et on peut voir que sur un jour, ça expire bien. Alors, pour faire des traitements temps réel hors React, parce que là, les données sont stockées, on va les utiliser. En gros, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on a notre client, et puis on va lire, comme je vous ai expliqué, en exprimant toutes les secondes de l'intervalle, et on va les envoyer vers un cluster graphite pour générer les graphiques. Notre détecteur d'anomalie, on a des clusters expériments, donc ça c'est du A-B testing. Donc toutes ces choses-là, ce sont des machines ou des clusters qui sont clientes, qui ont besoin du flux d'événements, plus ou moins en real-time, plus ou moins en temps réel. Le détecteur d'anomalie, il a besoin des 2 dernières minutes, par exemple, donc une fenêtre qui tourne, mais il n'a pas besoin d'être à la seconde près. Par exemple, par contre, les graphes, ils ont une latence de 10-15 secondes. Donc, voilà. Et les requêtes manuelles, ce sont des gens qui vont faire des requêtes sur il y a 3 jours, j'ai fait un truc, ça s'est mal passé, j'ai envie de voir qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur. Donc ça, c'est pas du tout du temps réel. Le problème avec ça, c'est que on consomme beaucoup de bandes passantes.
On consomme beaucoup de bandes passantes, ce que je vous ai expliqué, en client, en get. En fait, quand on va stocker les données, on va utiliser 70 à 80 mégas par seconde. Mais là, on est à 400, 500 mégas par seconde. Donc, on est en train de saturer notre bande passante réseau, qui est 1 gigabit seulement, avec tous nos clients qui essayent de récupérer les données. Donc, le problème, ce n'est pas React, c'est le réseau. Pour éviter de saturer le réseau externe, on va essayer de faire du traitement temps réel dans React. Donc, le problème actuellement, c'est que tout le monde veut utiliser les événements pour faire de l'analyse plus ou moins temps réel. Du coup, chacun va demander la même information dans son coin et donc saturer le réseau externe. Au lieu de faire ça, au lieu d'aller lire la donnée, de la traiter et de produire un résultat qui est dans tous les cas très petit d'expérience, parce que ce dont on parle là, c'est faire de l'analyse, calculer des moyennes, faire des stats, repérer un événement qui est anormal par exemple. Donc le résultat que tous ces clients produisent est ridiculement petit par rapport à la bande passante qu'ils consomment et aux données qu'ils récupèrent. Au lieu de faire ça, on va envoyer le code qu'on veut lancer en fait pour cruncher la donnée, on va l'envoyer vers React et on va traiter les données sur React. Donc au plus près des données, comme ça les données ne vont pas bouger et elles vont produire un résultat qui lui va être tout petit. Et ce résultat-là, on va l'envoyer sur le réseau. Donc au lieu d'envoyer les données brutes et de produire un résultat côté client, on va envoyer le code vers React et transférer uniquement le résultat. Alors ça, c'est classique. Alors ce qui prend du temps, les deux mesures auxquelles on va s'intéresser, c'est la bande passante, comme je vous ai dit, mais aussi le temps CPU. Ça change un petit peu de ce dont vous avez l'habitude, parce que ici, en fait, le fait qu'on utilise Serial, qui est un format de sérialisation, ce qui se passe, c'est que on s'est rendu compte que désérialiser une seconde, ça prenait beaucoup de temps CPU. Donc il y a ces deux métriques là qu'on va regarder. Alors, quand on parle d'envoyer du code vers la donnée pour produire un résultat, le premier réflexe c'est MapReduce. Alors, qui dans la salle ne connaît pas du tout MapReduce, ne sait pas du tout ce que c'est? Ok. Alors MapReduce c'est un algorithme, un moyen en fait de diviser une tâche à faire en plusieurs morceaux, donc ça s'appelle mapper. Chaque morceau va être exécuté sur une machine ou quelques machines et ensuite ces sous-résultats vont être recombinés, ça s'appelle l'étape de Reduce, pour finalement générer un résultat unique sur le premier nœud finalement, enfin à l'origine du déclenchement de la requête. Donc en gros c'est une méthode pour appliquer du travail sur des parties différentes et puis après réagréger le résultat. Et l'avantage c'est que on ne transfère pas la donnée, on transfère les tâches et les sous-tâches à faire sur les endroits où est la donnée. Du coup la donnée ne bouge pas, c'est juste le résultat qui après est agrégé. Alors MapReduce a été rendu célèbre par notamment HDFS, Hadoop, etc. Donc React implémente un MapReduce, mais contrairement à ce qui se fait sur Hadoop, il est très très rapide. Et c'est pas du tout une critique. Hein. C'est pas du tout une critique. Le volume de données géré est pas le même. Mais c'est quand même plus rapide. Donc, alors j'ai testé, ça marche très bien. Donc, je fais une requête. Alors, comment ça se passe? Je crée une requête MapReduce. Je lui dis pas que je veux récupérer les données. Je lui dis calcule, je sais pas, une moyenne ou un résultat statistique sur les données de 7 secondes, cette seconde-là dont je parle, et la requête est créée, le code est envoyé sur chacun des nœuds concernés, la donnée est crunchée, et le résultat est récupéré en moins d'une seconde. Donc, c'est-à-dire que je suis capable de faire une requête MapReduce qui travaille sur une seconde de données et récupérer le résultat en moins d'une seconde. Donc c'est du MapReduce temps réel. Ça marche bien, sauf que chaque client va devoir faire sa requête MapReduce, donc chaque client... donc là il n'y a aucune consommation réseau, c'est très bien, mais chaque client va devoir décompresser la donnée. Et si vous avez 50 clients qui veulent récupérer la même seconde, enfin veulent appliquer des travaux différents sur la même seconde, cette seconde là va en fait être décompressée 50 fois.
Donc MapReduce ne fonctionne pas bien pour ce dont j'ai envie de faire, pour ce que j'ai envie de faire. Au lieu de ça, je vous en parlais rapidement, je vais utiliser une fonctionnalité de React qui est fantastique, qui s'appelle des hooks, c'est-à-dire permettre d'écrire et d'envoyer, merci, permettre d'envoyer un callback à React qui va être exécuté lorsqu'une donnée va être écrite dans la base de données. C'est-à-dire que on envoie, donc j'ai créé un hook sur l'écriture d'une donnée, en fait d'une métadonnée. Donc React va écrire les données sur les nœuds maîtres répliqués. Ensuite, donc ça c'est une machine, c'est un nœud, il va exécuter le hook, le callback en question. Et ce que je lui ai demandé de faire, c'est d'envoyer la clé qui a été stockée vers un service REST qui est en Perl et écrit en Starman, qui est sur le nœud, sur la machine. Et ce service REST, donc ça c'est une communication, c'est du socket tout simple. Donc là il récupère que la clé. Et ensuite c'est ce service REST qui va fetcher la donnée, la décompresser et qui va lancer ici nos 50 tâches à exécuter sur la seconde qu'on a décompressée. Et du coup la seconde est décompressée qu'une seule fois et c'est fait sur le nœud qui contient la donnée. Donc la donnée ne bouge pas du nœud et n'est décompressée qu'une seule fois, et on applique les 50 travaux à faire, et ensuite le résultat est renvoyé, et le résultat, comme il est tout petit, je peux le stocker dans React. Il y a du code, mais je ne vais pas vous le montrer. Pour optimiser la chose, la clé est non pas envoyée sur le nœud pris au hasard, mais sur le nœud primaire. Donc on est sûr que la donnée est sur ce nœud-là, et on est sûr que la donnée ne va pas être transférée sur les réseaux. L'avantage de ça, c'est qu'on peut faire de l'analytics temps réel sur React, donc c'est une fonctionnalité en plus, et que du coup on a réussi à réduire complètement l'utilisation réseau de nos clients qui passaient leur temps à récupérer le flux en permanence. Maintenant, de plus en plus, ils commencent à écrire du code, qui en l'occurrence c'est du code Perl, donc c'est pratique. Et donc un système de modules permet d'installer donc ces callbacks directement sur React pour cruncher la donnée en temps réel. Voilà, j'avais d'autres choses dans cette présentation, mais comme je suis pris par le temps, je vais m'arrêter là. Je vous remercie.